Alors, Jane Campion restera à tout jamais comme la première femme à avoir obtenu une Palme d'Or au Festival de Cannes en 1993 avec son film La Leçon de piano. On peut noter que ce film a gagné aussi l'Oscar du meilleur scénario original. Voilà, Campion est une cinéaste néo-zélandaise qui a étudié en Nouvelle-Zélande et en Australie. En cela, on peut dire qu'elle fait partie de ces 3-4 cinéastes océaniens, si je peux les appeler ainsi, ou du moins de l'hémisphère sud, qui ont d'une certaine façon bien fait connaître cet hémisphère sud au monde entier. Alors j'ai envie de dire, il y a deux grands frères, que sont Peter Weir et George Miller, qui se sont émancipés fortement dans la fin des années 70 et les années 80. Et puis on va dire qu'il y a voilà, du Campion et son petit frère symbolique, qu'on pourrait appeler Peter Jackson, qui ont montré, j'ai envie de dire à tout jamais, qu'on pouvait faire des films aussi là-bas. Né à Wellington le 30 avril 1954 d'une mère actrice et d'un père directeur de théâtre, Jane Campion obtint son diplôme d'anthropologie à l'université Victoria avant d'intégrer, l'année suivante, la Cheshire School of Art à Londres. Profitant de son séjour en Angleterre, elle voyagea à travers l'Europe. Elle étudia aussi la peinture jusqu'en 1979 au College of the Arts à Sydney. Puis, au début des années 1980, elle prit des cours à l'Australian Film, Television and Radio School, dont elle sort diplômée en 1984. Travaillant dans un premier temps pour la télévision australienne, elle écrivit et réalisa en 1982 son tout premier court-métrage, Peel, un exercice in discipline, qui fut récompensé par la Palme d'Or du court-métrage au Festival de Cannes. On va voir que de toute façon que Jane Campion a un rapport très particulier avec le Festival de Cannes, puisqu'elle commence, j'insiste bien, avec la Palme d'Or sur son premier film, premier court-métrage, comme on l'a dit tout à l'heure, elle va obtenir la Palme d'Or, c'est la première femme à obtenir la Palme d'Or, et puis il faut savoir aussi qu'en 2014, elle va être présidente du jury, ce qui est un hommage, un honneur, et on sait que Thierry Frémaux est un grand fan hein, de Jane Campion, donc ce n'est absolument pas quelque chose d'usurpé, et la majeure partie du temps, c'est plutôt des actrices qui sont présidentes. D'ailleurs, hein, cette année, c'est une actrice, Kate Blanchett, qui elle aussi qui vient d'Océanie, comme on le sait. Mais une réalisatrice qui est présidente, je ne suis pas certain qu'il y en ait beaucoup. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui accompagnent leur neveu à une fête le film finalement se passe que dans le trajet en voiture. Et on voit à quel point l'enfant est en train de prendre le pouvoir sur cet oncle et cette tante. Et on voit comment cette tante réagit et comment Campion déjà campe met en scène un personnage féminin extraordinairement fort et atypique. Et on peut le sentir dès ce premier court-métrage. Les autres courts-métrages qui suivent sont également primés. On peut noter par exemple Passionless Moments, qui sera sa première collaboration avec son co-scénariste et son co-réalisateur Gérard Lee. Ce court-métrage, diffusé en 1986 dans la sélection Un certain regard au Festival de Cannes, fut récompensé aux Australian Film Institute Awards. Et aussi The Water Diary, un des 8 courts-métrages composant le film français 8, axé sur les objectifs du millénaire pour le développement et présenté au Festival de Cannes en 2009. The Water Diary, quant à lui, abordant les thématiques de l'environnement durable. Donc en 89 sort le film Sweetie, qui est donc sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes. Sweetie est un très très beau film dans lequel Campion met en scène deux sœurs qui s'entendent pas, ou du moins une qui est un peu différente, qui est un peu dérangée ou dérangeante. Et finalement Campion va axer sa mise en scène sur justement la relation un peu sororiale, la relation entre ces deux sœurs et la façon dont justement cette sœur un peu différente, particulière, va prendre une place absolument extraordinaire dans le film. Le film véritablement mérite d'être redécouvert et fait rentrer Campion dans ces années 90 comme encore une fois une des cinéastes qui va compter. En 1990, elle fait un second long métrage qui s'appelle An Angel at My Table, qui déjà va avoir une relation particulière avec la télévision. On verra que Campion a un rapport particulier avec la télévision, qui sera un film qui sera primé à Venise et qui aura un certain succès, qui deviendra ensuite un feuilleton à la télévision. Donc encore une fois, le côté un petit peu multimédia comme ça de Campion se met en place dès ce début des années 90. C'est un très beau film là aussi qui j'insiste bien, cette fois, valide le fait que Campion est une cinéaste qui compte. Évidemment, en 93, avec La Leçon de piano, Campion prend une réputation internationale, devient cette fameuse première femme à obtenir la Palme d'Or à Cannes. Voilà, cette leçon de piano met en scène des acteurs remarquables, que ce soit Holly Hunter ou que ce soit évidemment Harvey Keitel. Harvey Keitel qui nous prouve que Campion n'est pas qu'une metteur en scène de personnages féminins. Keitel dans ce film est remarquable, ainsi que Sam Neill, l'autre comédien. Mais Keitel par exemple reviendra dans un autre film de Campion et montrera une vraie fidélité et du moins une vraie capacité à pouvoir s'intégrer dans ce monde si particulier mis en scène par Campion.
j'ai observé sous microscope le désir, la curiosité et l'érotisme se changer en amour. Telle est la description que fait Jane Campion de son chef-d'œuvre absolu, La leçon de piano. L'histoire se déroule en Nouvelle-Zélande au 19e siècle. Ada, une jeune pianiste muette, part retrouver son nouveau mari accompagné de sa fille âgée de 9 ans et de son piano dont elle ne peut pas se séparer. Mais malheureusement, le piano atterrit chez Benz, qui n'est autre que le voisin et ami illettré d'Alistair Stewart, le mari d'Ada. Cette dernière conclut alors un marché avec Benz. Elle pourra jouer du piano tant qu'elle se soumet à ses désirs. Campion présente ainsi le personnage de Lee Hunter, bien qu'étant marginal du fait de son handicap, comme un personnage féminin fort qui, malgré le fait qu'elle se soumette à Benz, ne recule devant rien pour pouvoir jouer du piano, qui reste un petit peu son seul moyen de communication à l'exception de sa fille Flora. Cette dernière est interprétée par Anna Paquin, qui sera récompensée par l'Oscar du meilleur second rôle féminin, devenant ainsi la deuxième plus jeune actrice à obtenir ce trophée. Holly Hunter sera quant à elle sacrée meilleure actrice officielle de Cannes. Voilà, elle continuera évidemment à faire d'autres films dans les années 90 avec un côté plus bankable, peut-être lié au succès de la leçon de piano. Et c'est donc en 96 un film qui s'appelle Portrait de femme qui va sortir avec Nicole Kidman qui à cette époque-là est au sommet de sa gloire, même si sa gloire continue à être importante. Un film en costume, un film là aussi qui essaie de questionner la place de la femme dans le 19e siècle. Un film qui montre les ambitions à la fois thématiques et aussi financières, si je puis dire, de Campion, puisque le film va être un certain succès. C'est en 99 qu'elle revient avec un autre film très beau aussi, atypique, qui s'appelle Holy Smoke, où cette fois-ci elle met en scène Kate Winslet, évadée du bateau du célèbre Titanic, et dans un film encore une fois qui commence à montrer l'impact des personnages féminins, la force des personnages féminins, et à travers une relation assez ambiguë et ambivalente et plutôt très intéressante entre Winslet et Harvey Keitel. Un film qui peut-être le plus étrange de Campion quand on le regarde un petit peu avec le recul. Voilà, au début des années 2000, elle va choquer un petit peu tout le monde et finir, si je puis dire, avec cette période un peu bankable, avec un film qui s'appelle In the Cut, un film qui met en scène Meg Ryan, encore une grande actrice qui nous prouve que Campion a malgré tout créé des personnages féminins assez remarquables, et je pense que c'est une chance pour une actrice d'être castée par Jane Campion. C'est les films que les actrices font avec elle restent dans la filmographie de ces actrices. Voilà In the Cut qui questionne frontalement la problématique du désir, mais du désir du point de vue féminin. Et c'est peut-être cela qui change. Mais c'est peut-être pas avec ce film-là qu'on peut commencer à vraiment poser la question. Campion a-t-elle un point de vue féminin? A-t-elle un point de vue féministe? A-t-elle un point de vue différent des hommes? Et c'est avec ce type de film qu'effectivement on peut questionner, on peut amener le questionnement suivant. Est-ce que, évidemment, les films sont différents quand ils sont faits par une femme? La question est à la fois pertinente et à la fois n'aurait pas lieu d'être. Mais enfin, ce qui est certain, c'est que les films de Campion sont différents. Est-ce qu'ils sont différents parce que c'est une femme? Ou est-ce qu'ils sont différents parce que c'est un auteur fondamental, j'insiste bien, des années 90-2000? La question reste en suspens et moi je peux essayer d'y répondre, mais je pense qu'on aura tout le monde peut essayer d'y répondre. Pour continuer un petit peu sur son parcours, on va dire qu'In the Cut est vraiment un moment particulier. Comme je le dis, le film n'a pas forcément le succès escompté. Le film dérange ou surprend, on va le dire plutôt comme ça, et fait rentrer Campion dans une logique peut-être de prendre un petit peu plus son temps et de tourner peut-être des films un peu plus, revenir à des films peut-être un peu moins ambitieux d'un point de vue financier, mais peut-être un peu plus personnel. En tout cas, c'est une question qu'on pourrait poser. En 2009, elle présenta le film Bright Star, adaptant l'œuvre du poète anglais John Keats, interprété par Ben Whishaw, et qui décrit les dernières années de sa vie au 19e siècle, ainsi que sa relation avec l'aristocrate Fanny Brawn, campée par Abby Cornish. Ce film, sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes, marqua sa deuxième collaboration avec l'actrice Kerry Fox, qu'elle avait déjà dirigée dans le film Un ange à ma table. Puis, en 2014, elle présenta, mais dans un contexte plus discret, le film The Flame Flowers, adapté du best-seller de Rachel Kushner, et qui propose cette fois-ci une plongée dans le milieu artistique et underground des années 70. Et enfin, en 2013, elle présenta, lors d'une séance spéciale de la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes, les deux premiers épisodes de sa série télévisée Top of the Lake. Véritable enfant de la série Twin Peaks, ayant d'ailleurs connu un immense succès à la fois critique et public, on y suit les aventures d'une inspectrice, Robin Griffin, qui tente de retrouver Twee Mitcham, une fille de 12 ans enceinte ayant disparu au cœur de la nature néo-zélandaise. Pour ce faire, elle devra faire face à de multiples épreuves, à savoir par exemple ses propres démons, le passé, Matt Mitcham, le père de Twee, ainsi qu'un endroit intitulé Paradise, où plusieurs femmes se sont éloignées de la société moderne avec à leur tête un gourou, DJ, interprété par Holly Hunter.
Abordant la question des violences faites aux femmes ainsi que la notion de bien et du mal, Jane Campion ne peut s'empêcher de montrer son amour pour la nature, considéré dès lors comme un personnage à part entière, tout comme dans son film La leçon de piano. Si je dois parler un peu de son style, je dirais que Campion a un style qui est intéressant sur tous les aspects du cinéma, à la fois sur l'écriture, Campion co-scénarise la majeure partie de ses films, à la fois sur la prise de vue, Campion a un côté très majestueux la façon dont elle filme les décors, dans la façon dont elle met ses personnages dans les décors, à travers les thématiques qu'elle aborde. Campion n'hésite pas à aller dans les sphères ou dans les espaces qui dérangent un peu, dans les problèmes psychologique ou dans la psyché de personnages qui sont atypiques, dérangeants, dérangés, différents. Ces personnages marginaux seraient un petit peu une référence à ceux mis en scène par le réalisateur américain Jim Jarmusch. Plus précisément, des personnages se posant des questions sur le sens de leur existence en marge de la société, témoignant ainsi de leur humanité. Jane Campion n'étant pas une cinéaste qui choisit la facilité, elle aborde des thèmes forts et puissants tels que l'émancipation féminine, la quête d'identité, la condition des femmes, peu importe l'époque, la liberté, l'enfance, la famille et les rapports entre les différentes générations, la maternité ainsi que la mort. Elle-même étant mère d'une fille, Alice Engler, qui a par ailleurs joué dans le film Sublime Créature, ainsi que dans son court-métrage The Wire Diary et la saison 2 de la série Top of the Lake. Alors, elle est peu connue du grand public. Bon, je pense qu'elle est connue elle est peu connue du grand public parce qu'elle n'a pas forcément fait de films d'entertainment, de divertissement, avec beaucoup de promotion. Elle n'a pas fait de films de franchise, de choses comme ça. Elle a gardé peut-être une volonté de faire un cinéma d'auteur, donc qui fait d'elle une cinéaste connue dans le milieu du cinéma d'auteur. Donc oui, au Festival de Sundance, au Festival de Venise, au Festival de Berlin, au Festival de Cannes, tout le monde connaît Jane Campion. Maintenant, c'est sûr que dans les multiplex, c'est peut-être un peu moins son cinéma qui est mis en avant. Après, je ne voudrais pas faire une démarcation entre le cinéma d'auteur et le cinéma populaire, qui à mon avis, n'a pas vraiment lieu d'être. Mais peut-être Campion a-t-elle travaillé avec des acteurs, avec des actrices qui étaient célèbres, mais pas forcément avec des acteurs méga célèbres. Mais encore une fois, je ne suis pas certain d'avoir vraiment bien répondu à la question. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui ne court pas forcément après cette fameuse célébrité générale, ce côté people, même si elle a... je pense qu'elle n'est pas non plus contre les honneurs, hein, puisqu'elle en a eu plusieurs et elle a toujours répondu par la positive, notamment au Festival de Cannes, comme je l'ai dit, en tant que présidente en 2014. Donc voilà, Campion, c'est un auteur qui fonctionne dans quasiment toutes les dimensions, que ce soit encore une fois dans le cinéma, que ce soit dans la série, que ce soit dans sa figure un petit peu tutélaire, puisque j'insiste bien, maintenant elle écrit des livres, elle préside des festivals, elle est reconnue, comme j'ai envie de dire, un des artistes importants de cette fin du XXe siècle ou du début du XXIe. Si je devais synthétiser un peu les choses, je dirais effectivement que Campion, c'est une cinéaste à qui on n'explique pas comment faire des films, à qui on ne dit pas ce qu'il faut faire, à qui il faut laisser une vraie liberté d'action, une vraie liberté de ton. Et c'est peut-être cette liberté qui ennuie ou qui peut déranger. Et c'est peut-être pour ça qu'elle se retrouve dans une place un peu marginale ou atypique. Mais je persiste à dire que les gens, à mon avis, qui parlent le moins de Jane Campion sont ceux qui ne connaissent pas son travail, puisque quand on commence à connaître son travail, quand on commence à rentrer dans son univers, quand on commence à rentrer dans son extrême sensibilité, le fait qu'elle n'ait peur de rien et que ses personnages vont dans des terrains, vont dans des espaces dans lesquels on n'a pas envie d'aller, dans lesquels on a peut-être peur d'aller, c'est peut-être pour ça que Campion nous dérange. Mais je ne pense pas que ce soit son œuvre qui nous dérange, puisque son œuvre, encore une fois, il faut y aller, il faut la arpenter. Son œuvre est complexe et multiple, quand bien même elle n'a pas fait 50 films. Son œuvre est forte et intense, quand bien même elle n'a pas forcément fait des films ultra célèbres. Évidemment que Le Piano restera comme son film le plus célèbre, peut-être son meilleur film, mais bon, ce type de hiérarchie subjective n'a que peu de valeur. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que sur la représentation
des choses par une femme. Il y a vraiment un avant et un après Jane Campion. Après, il y a eu toute une longue généalogie de cinéastes femmes importantes. Mais bon, je pense que c'est pas forcément là qu'il faut le faire. Mais notons par exemple que Campion a gagné à Venise le prix Elvira Notari, qui est une des pionnières du cinéma italien, que personne ne connaît aujourd'hui. Mais j'insiste bien, le fait que Campion gagne des prix en festival, soit plébiscité, ben d'une certaine façon, ça lui permet aussi de faire remonter cette question de pourquoi les femmes sont si peu plébiscitées, pourquoi les femmes tournent-elles si peu de films, pourquoi les femmes ont-elles si peu accès à la création. Et c'est pas tant un militantisme de sa part, mais le fait qu'elle se soit imposée, qu'elle ait fait sa place dans ce monde du cinéma, ben peut-être permet à d'autres femmes, peut-être plus jeunes, peut-être du monde entier, de pouvoir elles aussi se dire qu'elles peuvent faire des films. C'est en ce sens-là que Campion est une cinéaste femme importante. C'est pas sur son féminisme direct, c'est beaucoup plus sur l'idée que si elle l'a fait, ben peut-être d'autres femmes peuvent le faire.